Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une vidéo invocation sur le jeu Counter-Side, nouveau portail sur Yhongarim. On va directement aller invoquer, vu que c'est le meilleur support du jeu. On va voir ce que le perso fait, bien sûr. Avant, tout d'abord, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et sur ce, on démarre de suite. Donc on va aller récupérer un peu tout ça là. Et après on va partir analyser un peu, enfin analyser, surtout lire les compétences de Yhongarim, qui, comme je viens de le dire, est le meilleur support du jeu. Alors. On est ici. Les attaques de base réduisent l'attaque de leur cible de 10%. Elle Ok, bon. Ça, c'est la compétence basique. Enfin, passive plutôt. Elle invoque un ours qui l'aide avec sa magie, crée une barrière égale à 15% de ses PV autour de tous les alliés à portée et augmente leur hâte de 20% pendant 10 secondes. Le cool team, elle invoque tous ses amis pour une attaque en règle, augmente l'attaque de tous les alliés de 20% pendant 15 secondes, inflige des dégâts de zone aux ennemis et réduit leur rate de 20% pendant 15 secondes. C'est pas du tout mal. En fait, je le considère comme un perso PVP, non? C'est plus un perso PVP. Elle invoque des amis dont l'aspect suffit à démotiver l'ennemi. Les attaques de base résonnent, ok. Ok. Sur ce, les amis, on va aller voir ce que le perso donne après les invocations. J'ai deux multis. Et deux multis avec les tickets et deux multis avec les diamants. On va voir ce que ça va donner. J'espère pouvoir le drop. Là, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas drop. Comme vous le voyez là à l'écran, vu que c'est sur mon téléphone et que je peux pas changer le format de la fenêtre de l'onglet du jeu, enfin de l'application, on va devoir s'y faire de cette manière-là. Voilà. De toute façon, je ferai des petits allers-retours comme ça pour voir combien. Enfin, si les persos ne sont pas montrés sur l'écran, je décalerai à droite à gauche. Sur ce, on commence les invocations. Dites-moi en commentaire ce que vous allez drop pour me mettre un peu le seum. Parce qu'en ce moment, je drop pas trop. Je vais vous montrer un peu ma box. Voilà. Je joue petit à petit. Je ne tryhard pas le jeu. Pour le moment, je ne tryhard pas le jeu. C'est un jeu pour le moment, je joue très chill. En mode relax, tranquille, voilà. Du coup, j'ai Nana niveau 100 maxé 6 étoiles. Il me faut encore quelques ressources pour la mettre à 7 étoiles, level 110. Après, j'ai Keller level 100, 5 étoiles. Gaeun, level 68. Seo-Yun, 67, etc. etc. J'ai des bonnes unités en soi. Mais là, je voudrais bien avoir Yhongarim, qui est la meilleure unité du jeu. Sur ce, on y go. Là, on va partir en OK. Si je la drop sur la première multi, ça sera incroyable. Ah ouais, bah. C'est dommage. Ami Strickland. Oh, c'est pas une multi folle là. Hein.
Bon, quel SR je drop? Ok, un doublon de Lin Xin, un triplon du coup. C'est pas foufou. On va voir sur la deuxième du coup. Chojin. Cindy Loper. Et voilà, c'est des unités qu'on a déjà. Du coup, on peut. Kim Sobin. Bon, ça fait triplon, quadruplon, je sais pas combien. Ok. En vrai, là, c'est correct. Pour du SR, c'est du corps. C'est correct. Ah, c'est 1500. On va pouvoir aller jusqu'à 4 multi, les amis. C'est pas mal. 4 multi avec les diamants. Ah ouais. On va partir sur du skip, là. Full bleu. Ah ouais, ça fait mal. Ok. Oh, ça c'est très bon. Je vais pouvoir la monter 5 étoiles ou 6. Yuna Springfield, ok. Claudia Nielsen. Eri Alford. Tidus. Bon, lui on s'en fout, c'est du R. Oh là, c'est trop. Oh. J'aurais pas imaginé de drop ça. Oh, 2! Lee Soyeon, ok. Bon, après, ça m'en fait deux, mais voilà quoi. Bon, là, ça me fait un doublon sur Shinjiya. Et l'autre, c'est moyen. À 40 sur la pitié, là, je passe à 50. Allez, c'est parti. Oh, très beau. Je pensais que ça allait être que du violet. Oh non, pas elle. Peut-être un deuxième. Nice, c'est qui? Charlotte Jo. Il me donne des nouvelles unités, mais elles sont pas du tout intéressantes. C'est vraiment pas intéressant comme multi. Hein. On termine sur la dernière. Ok, nice. J'ai un bon ratio de SSR. C'est cool. Enfin. Du coup, ça me fait un doublon, trois nouvelles unités. Enfin, on va dire deux doublons sur deux anciennes unités et deux nouvelles unités du coup. Peut-être une autre unité SSR, qui sait? Ok. Alors, je pense que j'aurai que ça. Mais je prends parce que je la voulais. Genre ça la drop. Pas grand chose, on va aller devoir farm pour le prochain portail. On va voir ce que ça va donner. Du coup, maintenant que je les drop. D'ailleurs, j'ai drop Chojin, elle, qui est en bannière également. Mais Ansorim, je l'ai pas drop, je crois. Je l'ai pas du tout drop. Du coup, j'ai quoi là? J'ai drop Shinjiya. Non, ça c'est un doublon. Enfin, si je les drop, mais ça c'est un doublon. J'ai drop Lee Seon, Charlotte Jo et Young Alim. D'ailleurs, elle, surclassement. Qui passe 3 étoiles. Ah non, ça fait qu'un doublon. Ok. Je pensais que je l'avais déjà monté. Surclassement. Ça, c'est bon, ça.
Du coup, ça me fait. Je crois que j'ai les 3 meilleurs supports du jeu, si je dis pas de bêtises. Là, il faut que je commence à me focaliser sur les tanks. Il me faudrait Alt, mais sur le portail de Alt, c'est chaud. Mais on verra ça sur une prochaine vidéo, les amis. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous avez drop. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Counter-Side ou un autre jeu, découverte ou invocation ou autre, ou showcase. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace, prenez bien soin de tout le monde. Ciao.